Bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve sur Tectonica. Mais oui, bonjour à toi YouTube, 10e épisode, 3e live de découverte dessus, et sur Twitch en compagnie d'Azid42, d'Ilki Gaming, Ilki44 Gaming qui est streameuse, je le rappelle, et de tous ceux qui passeront nous voir, vous êtes les bienvenus. On continue la partie, petite info, nous sommes le 17 janvier 2024, mes meilleurs voeux, à chaque fois j'oublie. Bonne année. Et surtout, il y a eu une mise à jour le 16 hier. Oups, all concrète, c'est-à-dire que le béton serait arrivé. Je ne le vois pas en techno, mais apparemment c'est bon. Il devrait y avoir des changements. On pourrait changer des poutrelles ou les plaques en béton, en déco. On va découvrir ça dans le jeu progressivement. Et autre info, les développeurs ont rajouté des coffres pour les débutants, donc comme moi. Un peu plus planqué partout, avec plus de ressources pour bien démarrer. Moi, je pense qu'on a déjà bien trimé. Là, depuis ce matin, j'ai décidé de reprendre un peu le bus. Je fais des tests. On va voir ensemble, donc ma culture marche bien, on va attendre que ça charge évidemment, voilà, on voit ma culture de combustiving en vertical qui est opti à 4 niveaux déjà, et c'est le max, hein. Pour l'instant j'ai pas assez de graines, je regarde sur moi, j'en ai pas d'autres, j'ai des graines de glace épine, on a un peu de lingots de cuivre d'ailleurs, on va peut-être lâcher ça, hein. On verra. Et puis on a commencé le bus, alors le bus je fais des essais. Serré, pas serré, convoyeur, mais on commence à fabriquer des choses. Ici, nous avons des assembleuses. On va les piquer, parce qu'on va faire un bus. Ici, on a des tapis roulants. Tapis roulants, est-ce que j'en ai encore des masses? J'en ai un peu, on va en piquer un peu. Ici, on a débuté avec... Ouh, ça, c'est vachement bien. On a enfin les stockages. Je suis sûr qu'on peut fabriquer des panneaux plus tard, on verra. Et je me suis fait une petite pause juste avant l'épisode. Là, j'ai réfléchi et j'ai une idée. J'ai une idée, puisque à plat, ça marche mal. C'est un peu embêtant. Et je pense qu'on va devoir niveler nos ressources en dégradé. Je vois pas d'autre solution actuellement. Un peu comme l'étage, on ponctionnera. On voit qu'on va faire des convoyeurs en parenté. Ça fait des répartiteurs, c'est propre. Mais quand c'est plat, c'est très, très embêtant de couper, reprendre et tout. On va faire par niveau. On va réfléchir à ça. Il va falloir qu'on fasse des insérieuses et qu'on reparte ici. Je regarde un peu la hauteur de la grotte. Elle n'est pas très haute. Hein. Pas très haute du tout même. Ah la vache. Ah mais il y a autre chose là. Ah oui, on a déjà trouvé ça. On a des grottes qui continuent par là. Là, on a une cascade. Et là où on voit que c'est creusé, c'est pas là où j'ai trouvé... Nous sommes à l'usine Victor, mais X-Ray, je ne sais plus par où on est passé. J'ai complètement oublié. Et là, ça va où, ça? Là, on a du fer. Justement, on a quelques combustiving là, tiens, qu'on a oublié. Bonjour les filles, merci. Non, c'est mignon. C'est mignon, mais non, non, c'était rien. Fausse alerte. Par contre, on va pouvoir réalimenter un peu la ferme avec plus de graines. Voilà, je savais que j'étais un peu trop. Alors lui, il est bugué, non, c'est bon. Le son est au max, hein. Incroyable, le son n'est pas très fort du jeu. Hormis la musique qui peut être un peu prenante. Vous aurez beaucoup plus ma voix aujourd'hui, du coup. Voilà. Oui, on avait exploré tout ce coin-là. Je me disais, il en restait. Donc, faut tout gratter, hein. On sera optimum, comme ça, on est bon. Ouais, c'est pas très haut. Si je pars par là, c'est embêtant. Alors, on voit qu'ici, la fonderie a besoin d'un petit peu de carburant. Hop! Et on n'a pas été revoir encore le cuivre. De base, on est arrivé, nous, de ce côté-là, le départ. Lima arrive de là. J'ai l'impression que de la grotte de cuivre, on arrivait par là-bas. Hein. C'est ça. On arrivait par là-bas. On va profiter. Tiens, hop.
On est sympa, on t'a trouvé encore des graines. Super. On est un peu full. Mais on continue le boulot. Je pense que le jeu nous oblige de toute façon à passer par là. On va voir. Ouais. Là, on est pas mal. Je regarde un peu comment je construis mes plaques. Voilà. C'est pas trop bas. Puisqu'il faudra qu'on mette de toute façon nos générateurs à turbine. On a une limite. Ah ouais, on est carrément à la dèche. Et alors, si je regarde l'énergie, on est bien. On a un mégawatt, on avait dit, on s'inquiète pas. Pour l'instant, on bosse là-dessus. On ira voir après les mines de cuivre. Bon! On va partir par là. Est-ce que je fais quand même mes insérieuses ou pas? Est-ce que j'ai la place? Techniquement, oui. Je pourrais me faire... Alors, si je serre à mort... Si je veux une insérose classique, c'est juste des composants mécaniques. Deux composants. On va se mettre un premier coffre en face. On va charger rapidement. Et puis ici, on veut des inséreuses longues. C'est les deux premiers crafts simples. Et après, on repartira avec notre bus dans la galère absolue. C'est chaud, hein. Je pense qu'on peut mieux faire que ça, évidemment. Inséreuse longue. C'est inséreuse. Il m'en faut deux. Ah oui! T'es mignon, toi. Et trois composants mécaniques. Hop, merci. Bah écoute, on va lui mettre un seul lien. Et trois composants mécaniques. Voilà, comme ça on charge. Là c'est bon. Et là on a le même problème. Qu'est-ce qui se passe? Pas assez de fer. Oh punaise. En fait, c'est la sortie là qui colle pas. Bah écoute, on va faire comme ça. Hein. Si c'est le fer qui limite, il faut faire attention à ça. Allez, vas-y. On va bourriner en sortie. Après, il faudra qu'on travaille l'alimentation des mineuses automatiques. Hein. Mais je suis pas pressé, il manque une recette. On va en reparler après. Voilà, ça réalimente bien. Hop, ils sont captés, mince. Ils sont captés, il faut qu'ils arrivent à dépasser ça. Ça, c'est bon, ça dépasse. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, c'est que les composants mécaniques qui chopent le fer, hein, j'ai l'impression. C'est ça. Voilà, il va me le fabriquer. Et normalement, dans nos inséreuses. Bon, bah, le temps que ça se fasse, on va continuer. On va chercher. Hop. Ici, on a les tapis. On va laisser les assembleuses. Voilà. Merci, merci. On va continuer à faire ça.
ça c'est propre. Il va falloir qu'on libère l'arme. C'est parti. Bon courage Azid, bonne journée à toi. Et puis c'est sympa d'être passé. Surchauffe, mais non, pas surchauffe. Mais non. On va attendre qu'il refroidisse complètement. Voilà, on nettoie ça. On n'est pas en surchauffe. Là, pareil, le petit caillou qui gêne. La question, c'est le passage. Jusqu'à où je veux creuser pour que le bus passe ? Laisser la roche, là c'est joli quand même. On va laisser la roche. Puis du coup on va vers nos plaques. Hop là, voilà. Le courant c'est bon. Il va falloir ramener tout ça. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5 ressources à amener. Alors on va être égoïste un peu. On va commencer par le fer ou le cuivre. Ça me semble être une mauvaise idée, hein. On peut laisser la rivière et puis casser tout ça à côté. Hein. Mais là, on a la grotte. Ok. On va réfléchir au niveau. On va essayer de baisser la plaque. Bon, c'est pas très haut. Ça fait quoi, ça? Ça fait 2 cubes d'eau. Je suis sûr qu'on arrive à cette hauteur-là. Donc, on pourrait baisser un tout petit peu. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que ça a marché? Attends, on va monter à l'étage. On va nettoyer tout ça. Puis refaire des escaliers pour reprendre à la bonne distance. Voilà, on va amener ça, on va vraiment tout baisser. Ah ouais, c'est que j'en ai étalé partout. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est ouf! On peut pas éliminer beaucoup, beaucoup. Hein. Ça, c'est, il faudra qu'il revoie un petit peu. Voilà.
Ouais, on a une zone de limite un peu trop petite à mon goût. A presque oublié, c'est pas grave. On va faire ce qui est visible, ce qu'on peut. Voilà. Je pensais pas être allé aussi loin que ça. Punaise. En plus, on n'arrive pas à trop voir, ça clignote. Qu'il y a eu un petit peu ici. Bon. Il faut qu'on descende. Et ça, ça va être comique, je vous raconte pas. Le tech n'a plus de café. Est-ce que vous m'entendez bien au fait? C'est bon? J'ai l'impression que sur ce jeu-là, en fait, logiciel, je ne vois pas ma barre de son de micro. J'espère que pour vous, le retour de son, de voix et de musique est bonne. Donc, on va abaisser un petit peu. On va abaisser... Est-ce qu'on va prendre l'escalier? La touche R. Voilà. Et puis, hop. Là, on est bon. Pourquoi il m'a fait derrière? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ici, on ne passe plus. Hein. Ah ouais, donc ça va être un peu plus haut. Et voilà, et là on peut marcher. Ah, c'est bien. On va voir ça de là-haut. Ou est-ce qu'on reprend d'ici l'escalier? Est-ce qu'il y a moyen sympa de remonter ici? Peut-être. Voilà, je fais F7. Touche R, pareil. Hop. Bon, bah c'est pas mal. Puis on a encore forcé évidemment sur la plaque, hein, comme d'hab. Et on arrive ici. Et bah moi ça me va. Touche 7, le carré. On va finir comme ça. Et puis on va mettre nos escaliers en F7. Voilà. Et on va les mettre à descendre. Voilà, là c'est joli, c'est pas mal. La question c'est, est-ce qu'on peut travailler ça ou pas? Donc on a un peu d'excavation à faire. Sans taper la cave à côté, normalement ça devrait être bon. Par nos bêtises, quoi. Alors, le côté terraforming est intéressant, hein. Franchement. On va laisser quelques plantes, on va pas y toucher.
Alors ici, est-ce qu'on peut supprimer des choses encore? Oui. Ah bah c'est bien ça. Voilà, et puis nous on va libérer notre plaque, hein. Que j'ai besoin de faire mieux, plus, un peu plus. J'espère qu'on pourra upgrader la foreuse aussi. Ça serait pas mal. On en devine encore, on peut en récupérer. Voilà. Alors, on a bas de plafond. C'est génial. C'est génial, mais on arrive là où il faut. On va pouvoir récupérer ça, je pense. Ça pourrait être pas mal, et ouais. On va faire ça. Toute la longueur, hop. Et jusqu'ici, jusqu'au pilier. Puis on va effacer tout ça. On va récupérer nos structures. Impeccable. On verra après le petit pont. Et là, bah, on pourra faire une descente. Alors, F7, l'escalier. Ouais. Bah, écoute, puisqu'on s'est cassé la margoulette. Hop. Et là, on est bon. On est connecté. Bon. Ça commence à piquer un peu. Ouais, c'est assez limité. On fait des bêtises en plus. On touche là où on ne devrait pas toucher. Là, on est bien. La vraie question maintenant, c'est comment on va travailler tout ça. Est-ce qu'on arrive de notre première usine, vraie usine, on va descendre par là et ça va être du boulot. En fait, moi, je vois vraiment... Comment on voit ça? Je ne sais pas encore. Mais on va bidouiller. Il va y avoir une première ressource en première ligne, une deuxième ressource en deuxième ligne. On va voir comment on va les grimper. Vous avez dit qu'il y avait combien? 5 ressources? Donc le fer peut être là, le cuivre au-dessus, et encore au-dessus, on va mettre une troisième ressource. On va voir si l'idée est bonne. Une quatrième. Vous direz ce que vous en pensez après dans les commentaires. Et une cinquième ressource, puisque les convoyeurs sont un peu embêtants. Mais en dégradé, on peut les choper facilement, je pense. En croise montée, voilà. On a donc 1, 2, 3.
3, 4, 5. J'étais pas obligé de faire un pont derrière, en fait. D'accord. Ça fait bizarre, mais pourquoi pas? Il va falloir serrer les fesses, les amis. Alors. Attends, on va serrer là. Voilà, on va serrer ici comme ça. Ça c'est pas bien. Si c'est bien. La vue de dessus comme ça, c'est parfait. Voilà, on a trois ressources d'arrivée. Et tout ce qui est composants mécaniques, on n'y arrive pas encore. Pour l'instant, on est assez à sec. Et on va avoir un problème après. C'est pour celle-là. Je sais pas quand je vais amener mon fil de cuivre. Je vais l'amener en premier, hein, c'est pas grave. Hop. C'est là que ça va coincer. La glace épine, comment on va l'amener? Bonne question. Il va falloir qu'on supprime ça, on n'a pas le choix. Ok, on a nos ressources qu'on craft, mais on voit qu'on a déjà une pénurie. Hein. De toute façon, on va emmener le fer. Hein. Donc le truc, ce serait carrément ça. Rien pour caler là. Histoire de pas tomber dans le trou quand même. Je suis en train de me dire. Peut-être pouvoir travailler ça un petit peu. On va voir. Il faudrait amener le combustiving tout là-haut. Voilà, on fait le tapis. Et on a notre combustiving qui arrive là. Ok. On va aller jusqu'ici. Conveyor, you say belts. Conveyor. Mais oui, j'arrête pas étincelle. C'est Amanda qui nous parle. Ok. On va faire plus court. On va attendre que tout s'évacue. On va arriver à quelque chose.
va juste démonter gentiment. Quand t'as une idée qu'il faut la mettre en place, ça prend un peu de temps. On est bien, on est très bien. Voilà. Oui, on peut amener les fils de cuivre avant le mécanique ou pas. Non. Je pense que le fil de cuivre est en troisième position, donc on donne de la marge. Hop là. Voilà, on va faire comme ça, on va rigoler. On va les placer. Il n'y a pas le choix. On va amener le cuivre en première rangée après, le fer, ouais. Ah oui, carrément, toi, le fer, tu passes comme ça. Ok. Non. On va amener le fer après. Et le cuivre, donc ça fait un bel escalator, là. Et là, ça ne passe pas. On va supprimer un peu. On va retravailler ça. Le cuivre. Tout ça, est-ce que je vous donne un sens de craft ? On peut faire un virage comme ça, voilà, en hauteur sans qu'il touche le sol, et paf. Et du coup, on a tout. On a tout, sauf l'âne d'or est rare, on n'a pas... Alors là, c'est pour les bras, les insérus, j'en ai déjà 44 longues, j'en ai plus de 250, oh c'est beau. On va récupérer un petit peu, merci. Ça, ça marche. On va trier. C'est plutôt les composants mécaniques quoi qui ne sont pas en surdose. On n'en a pas des masses. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, puisqu'on va retravailler ça encore. Ça fait quand même deux assembleuses à composants mécaniques de base. Je vous propose un truc, on va finir l'épisode, on va réalimenter un peu tout le monde. Voilà. J'ai tort dans un sens, je devrais ranger ce que j'ai. On va se faire un coffre. Juste de champignons, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça servira. J'ai pas envie de taper dedans. On va mettre ça là. Hop, tout ça là. On va les garder. Et nous on va alimenter avec, hop, tout ce qu'on fabrique. On trie, on est bien. Et on va faire le tour du cuivre. Là c'est bon. Voir un peu ce qui se passe. Et c'était par là qu'on avait exploré X-Ray, oui je me souviens. Donc ici c'est les fonderies qui sont un peu HS. Ok. Là ça va. Écoute, on va gaver un peu les fonderies. C'est pas méchant. Et alors j'ai pas l'impression que ça se dégrade. Hein. C'est une plaque infinie. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Ok. Ah, puis j'avais creusé par là. Parfait, c'est le raccourci. Il y a le calcaire qui est là. Et par là, on va dans l'autre grotte. Bon, bah c'est pas mal. Écoutez, on a fait du terraforming aujourd'hui. On a mis en ordre un peu ce que je veux. Je commence à avoir un peu plus clair dans mes idées. Ça commence à ressembler un peu à un truc. Hein. Et surtout, ça là, on va le finir. Vous avez quelques minutes, on n'a pas terminé tout à fait mon tech. T'es mignon. Là, il faut que ça arrive ici.
On va se donner quelques secondes quand même. Voilà. Voilà, l'escalier s'arrête là. Il ne me reste plus que quelques convoyeurs. D'ailleurs, on devrait taper dedans. Tu vois, je suis plus assez. On va aller en chercher. Il y a que petite lumière au plafond, ça va être joli tout plein. Oui, ça abri, c'est bon. Convoyeur. Et même là. Attends. Il faut un peu d'espace là. Il faut quand même qu'on puisse marcher. Je fais attention. Là, on est top. Celle-là, on va la démonter. On va laisser travailler les assembleuses. Non, c'est bien, c'est très bien. Convoyeur, on va en prendre un petit peu. Merci. Là, on est pas mal. On n'a toujours pas posé notre plaque de science non plus. Hein. Il va falloir qu'on le fasse au prochain épisode. Il va être temps. Alors. Les fils de cuivre, oui. Et après, on a hop. Les lingots. Et si je me comprends bien. Voilà. Là, ils descendent. J'aurais pu laisser un escalier. Hein. Ah, misclic. Mauvais sens. Ah, décidément. Les lingots de cuivre, les lingots de fer, eux. Le jeu veut vraiment mettre à l'envers tout ça. Et voilà. Et on a un dégradé, et comme ça je pourrais taper dedans. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent hélas à faire. On va préparer ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est arrivé au bout. On va aller chercher les lingots. Et là, on a un bus. On a un bus. On est prêt à travailler dessus. Voilà, on va faire la sauvegarde. Tac. On va remonter la musique à fond et je vais prendre un screenshot et on se retrouve après une petite pause café. Dans quelques minutes, 2-4-5 minutes, ça va être bon. YouTube, au prochain épisode. Twitch, à tout de suite. Juste une belle photo, c'est tout ce que je veux. Le tech est pas compliqué, hein. Allez, menu principal. Bye bye.